Des comprimés d'œstrogène? Oui, à moins que ce soit mieux en gel, docteur Foringa. Les hormones de substitution ne résolvent pas tous les problèmes, madame Funk. Hein? Il faut faire très attention et étudier chaque cas personnellement. Dans votre cas, la réponse est... non. Mais pourquoi? Parce que vous ne souffrez pas de ménopause. Vous êtes enceinte. Les bouffées de chaleur sont assez courantes en début de grossesse. Et si nous nous basons sur le début de vos symptômes de soi-disant ménopause, vous devez être environ dans votre 12e semaine de grossesse. C'est pas possible. Nous avons essayé pendant des années, Andreas et moi, et ça arriverait aujourd'hui, au moment où nous avons abandonné l'idée d'avoir des enfants. C'est complètement fou. Laissez-moi un message après le bip. Centre de kinésithérapie de Hambourg, bonjour. Je vous écoute. Oui. D'accord. Un rendez-vous jeudi. Un instant, je regarde la disponibilité. Levé. Ça va pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. C'est l'autre genou qu'on soigne. Oh, je suis désolée. Bien comme tous les deux, c'est... que c'est... c'est terminé. C'est pas vrai. Et voilà ce qui pose problème. Ton bâton de gendarme, ta manie de tout contrôler et toutes tes névroses, je les supporte plus. Tais-toi maintenant, c'est l'heure de mon appel obligatoire. Tais-toi maintenant! Tais-toi maintenant! Allô? Allô? Oh, c'est toi. Qui veux-tu que ce soit? Tous les vendredis à 6 heures précises. Oui. Tu es sûr que ça va? Oui, oui. Tout va très bien chez nous. Comment ça? J'ai une voix bizarre. Qu'est-ce que t'as, ma fille? Tu pleures? Mais non! Je coupais des oignons. Herman.
Et à ton avis, c'est passager ou c'est définitif? Eh bien, on sait tous les deux que c'est terminé entre nous, il a dit. Je t'avais prévenu, ma fille. Je te l'ai toujours dit. Oui, je sais, mais j'ai pas besoin d'entendre des reproches en ce moment. Alors tu as besoin de quoi? D'un peu de réconfort. Que tu me dises, relève la tête, ma fille, ça va aller. Quelque chose de gentil. Tu as faim? Je prépare à manger. J'espère seulement que tu as autre chose que des machins au riz dans tes placards. Oh. Oh. Je suis désolé que son départ te coupe l'appétit à ce point. C'est pas vrai. Je suis bien content qu'Andreas soit parti. Tu devrais boire une tisane à la camomille pour te détendre. Alors je ferais mieux de rentrer chez moi. Vous n'arrivez pas à vous imaginer mettre cet enfant au monde et l'élever toute seule? Non. Bien. Vous savez que vous devez attendre au moins 3 jours après cette consultation avant de prendre votre décision. Bon courage, Madame Funk. Merci, à vous aussi. Quelque chose de drôle. Pardon? Le 18 novembre. Dingue, non? Je comprends pas. On a la même date d'accouchement, toutes les deux. C'était dans votre carnet. Vous avez fouillé dans mes affaires? Ça va, détendez-vous, elles sont encore toutes là. Je les fabrique moi-même. Et je les vends. Pour gagner ma croûte. Vous comprenez? Je suis une artiste. Ah. Est-ce que vous connaissez la quincaillerie derrière le Van Ring? Non. Là-bas, c'est mon atelier. Dites-moi, Lily, vous irez où pour le faire partir? Le faire partir? Non. Je suis pas allée à une consultation pour avorter. Je demandais un appartement. Ouais, ils ont des logements sympas. Pour les très jeunes mamans. J'ai plus de 18 ans, moi, mais peut-être que ça marchera. Je comprends pas. Alors, ça veut dire que... Ça veut dire que vous voulez... Ça veut dire que vous voulez ce... Bingo. C'est un enfant voulu. Et voilà. Voilà à quoi ressemble ce cornichon. Il est mignon, hein? Vous pouvez le garder. C'est très gentil. Je crois... Il faut que j'y aille maintenant. Je dois partir, je suis désolée, mais je vous remercie. Je voulais vous dire merci. Ça m'a fait plaisir. Bonjour, Madame Funk, c'est le cabinet du docteur Foringer. Vous nous avez demandé un rendez-vous rapide pour l'avortement et je voulais vous dire que nous aurions une possibilité. Merde! Ah, Tina, je suis désolée d'arriver en retard au boulot. Tu sais bien que c'est pas mon genre. Jurer non plus, ce n'est pas ton genre. Oh,
Je crois que tu traverses une période difficile en ce moment. Quoi, mais comment tu le sais? Oh, la ménopause n'a aucun secret pour moi. C'est vrai. Allez, en route. Excuse-moi. Moi, je crois que je me suis trompée. Madame Fondry. Oh. Simon. Simon Lemeyer, on a fait des séances de kiné ensemble. Oui. Vous étiez déboîté l'épaule, c'est bien ça? Et puis la clavicule cassée et rupture des ligaments. Vous vous en souvenez? Pourtant, ça fait 5 ans que vous m'avez soigné. Oui, c'est vrai. Je ne me souviens plus des noms, mais je me rappelle chaque lésion que j'ai eue entre les mains. Vous devriez passer à la télé avec ce talent. Les blessures et les contractures sont, pour ainsi dire, toute ma vie. Et vous? Eh bien, ce sont les fluides hydrauliques, les ventilateurs. Et vous travaillez dans ce garage? Oui, j'aime bien bricoler ces vieilles machines et parfois, je bricole aussi la mienne. Ah. Mais c'est pas mon boulot. Mmh. Je viens juste de terminer mon master à l'école des sciences appliquées. Vous faites ça? C'est extraordinaire, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Je suis venue parce que je cherche une artiste dont l'atelier se trouverait ici. Lily? Vous sortez à droite et première porte à gauche. Je sors à droite, porte à gauche. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oh. Ça alors? Je ne voulais pas vous déranger. Je suis venue vous donner une petite récompense. Avec tout ce stress ce matin, j'ai complètement oublié. Tenez, c'est pour vous. Waouh! C'est vraiment très gentil. Non, c'est moi qui vous remercie d'avoir été aussi sincère. Non, ça va aller. C'est une allergie à la poussière. Ça me plaît ce que vous... Ce que je fais? En fait, à l'Académie des Beaux-Arts, ça leur arrive de prendre quelques élèves sans le bac. Mais il faut avoir un niveau artistique très convaincant. Vous devriez vous inscrire là-bas. Ouais, je vais le faire. Je voudrais d'abord travailler sur mon book. Je suis ici depuis janvier. Avant, j'étais à Berlin, mais bon... Ils ont refusé ma candidature, ces nazes. Vous voulez un bonbon? Tenez. Non, ça va. Est-ce que c'est... lui? C'est lui le père de votre enfant? Simon? Non. Celui qui a visé dans le mille s'appelle David. Il est mignon, mais c'est un bon à rien. Je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi vous voulez vous en débarrasser? C'était un accident. Je suis désolée, mais je dois y aller. Au revoir. Fils en barque, numéro 28. Francisco. C'était un accident. Excusez-moi, madame. Vous entrez ou vous sortez? Je sors.
viens te rendre visite. Oh, quel sale temps! Les risques d'une maternité tardive. J'ai toujours voulu des enfants et maintenant, je vais avoir un enfant. Ma fille, tu as 46 ans. J'ai 45 ans, exactement, papa. Enfin, encore pendant quelques jours. Et il en dit quoi, le père de l'enfant? Il s'appelle Andreas et il n'est pas encore au courant. Il n'est pas encore au courant. Madame Funk? Oui. Officier Paulson. Officier Engel. Pouvez-vous me confirmer que la jeune femme ici présente est domiciliée chez vous? Alors, vous voyez? Veuillez dire à... sa nièce. À votre nièce qu'elle doit faire refaire ses papiers et qu'elle doit aussi déclarer son nouveau domicile au plus vite. Et si on la revoit encore une fois se balader avec toute sa marchandise, on lui mettra une amende cette fois. Au revoir. Merci beaucoup. Je croyais que vous alliez me laisser tomber. Salut, je suis Lily. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, mais alors, il s'est parlé? Vous m'avez mise dans une sacrée situation avec vos histoires. Non, mais vous vous rendez compte? Pourquoi? Vous inquiétez pas, je m'en irai dès qu'ils auront débarrassé le plancher. Mais bien sûr, pour que vous vous retrouviez devant eux au prochain virage. Et pour qu'ils viennent m'arrêter pour faux témoignage. Alors ça, non, pas question. Ça va, c'est bon, vous énervez pas. Mais comment voulez-vous que je me détende? Je risque gros à cause de vous. Faut pas que je m'énerve. Papa, où tu vas? J'aurais pas dû venir. Au revoir, papa. Lissy. Lily. Je peux savoir pourquoi vous leur avez donné mon adresse quand ils vous ont posé la question? En fait, j'ai pas vraiment de domicile fixe pour l'instant. Et j'ai personne qui sauterait de joie si jamais je débarquais chez lui. Je pouvais pas aller à la coloc chez Simon pour le moment. Et j'étais dehors, alors... la seule adresse que j'avais, c'était la vôtre. Alors je leur ai donné celle-là. Et puis voilà, c'est tout. D'accord, mais que les choses soient claires. Ce sera pour une nuit ou deux, comme solution d'urgence, pas pour devenir votre domicile fixe. Oui, d'accord. Je vous l'ai dit, les services sociaux m'ont dit qu'il y aurait bientôt une place dans un de leurs logements. Et puis d'ailleurs, pourquoi vous avez plus de papiers? On me les a volés. Il me plaît, votre père. Et vos parents, où sont-ils? Celui qui danse sur les vagues ne peut pas couler. Ma mère me le disait souvent. Elle enseignait l'art. Ce que vous faites dans votre atelier me rappelle beaucoup le pop art et principalement les travaux de Rauschenberg, etc. Rauschenberg? Robert Rauschenberg. Un Américain, un artiste. Désolée, je suis pas très branchée, vieux truc. Attendez. Je vous en prie. Merci. Urgent, faire sa valise en temps et en heure.
Vous saviez qu'à mon âge, la probabilité pour qu'un enfant soit atteint du syndrome de Down s'élève à 5%, docteur ? Oui, je le sais. Je suis gynécologue, rappelez-vous. Dites-moi la vérité, allez-y. Je peux vous dire que les résultats sont excellents. Non, mais vous trouvez pas que les plis de son cou sont un peu... trop gros ? Non. Non ? Ah... Oh. Vous devriez remesurer. Madame Funk, tout va très bien. Faites attention à votre alimentation, bougez suffisamment, contrôlez votre tension artérielle et surtout, ne vous faites pas trop de soucis. Ça, c'est pour vous. Prenez. Génial, la réaction. C'est un vrai plaisir de vous faire des cadeaux, Madame Funk. Ne rien laisser traîner. Oh non, Lily. On va tirer ses chaussures. Il y en a encore ici. Ne pas se promener avec de la nourriture. Je suis contente de voir que vous savez lire. Écoutez, je crois qu'on devrait s'en tenir à des règles de base, tout ce qu'il y a de plus normal. De toute façon, c'est pas normal pour toujours. Normal, c'est ça? Vous trouvez ça normal, hein? Vous lui imposerez aussi des règles à ce bébé, du genre ne pas faire trop de bruit la nuit, ou alors ne pas faire caca dans ses couches. Je vous donne des leçons sur la façon d'éduquer un enfant et vous vous gavez de saleté à longueur de temps. Et comment s'est déroulée l'échographie, Lily? Quelle échographie? Oh, mais l'échographie pour le bilan des 3 mois. On vérifie ses mesures et on fait une analyse de sang. Vous n'y êtes pas encore allé, allez-y vite. C'est pour rire que vous le dites. Non, je suis sérieuse. Bonjour. Oh, bonjour. Ça vous a coûté combien, ce truc? Pardon? Vos analyses et votre échographie des 3 mois. Dites donc, pourquoi vous me parlez comme ça, Lily? 150, je parie. 200. Vous croyez que j'ai autant d'argent à débourser? D'accord. Très chouette, votre discussion. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Je voulais te donner ça, Lily, tu l'as oublié. Merci. Je me disais que ce serait cool de sortir ce soir. Ça vous dit une partie de billard? Ouais, j'ai bien le droit. Et vous? Quoi? Non, non. Merci. Vamos. Au revoir. Rien, cette nana, ou quoi? Mais arrête, Lily, je te trouve pas très cool. Elle vient de t'accueillir chez elle, non? Elle a l'air très gentille. Elle est attirante, est-ce que tu as vu ses yeux? Elle a
a quelque chose. Descendez tout de suite de ce toit. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est dangereux de monter là-haut. N'importe quoi. Le seul danger ici, c'est qu'un oiseau vienne me chier sur la tête. Vous avez 5 minutes pour descendre. Hé ! Non, partez pas ! Madame Funk ? Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Oh! Non! Faut pas souffler. Oui, je vois ça. C'est gentil, comment vous le savez? Et j'ai autre chose pour vous. C'est juste là. Vous l'avez fait vous-même, Lily? Ouais. Je voulais vous faire 2 petites chauves-souris, mais bon. Merci beaucoup. D'une petite crevette. J'en ressemble à une baleine, ouais. Il va falloir vous y habituer. On va bientôt ressembler toutes les deux à des baleines. Vous allez partir en voyage? Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse valise rouge près de l'entrée. Oh, mais non, c'est ma valise au cas où. On la fait jamais assez longtemps à l'avance. Vous devriez faire la vôtre. Hey, enlevez ça, je voudrais bronzer. Attention, si vous êtes imprudente, vous aurez un joli mélanome. Ouais, maintenant je sais pourquoi votre mec est parti, hein. Je suis désolée. Je le pensais pas. Ça faisait tellement longtemps qu'on était ensemble. Je sais même plus comment je vivais avant lui. Il faut récupérer le temps perdu. Franchement, à quoi servent les hommes? À part sortir les poubelles, nettoyer la voiture et nous casser les pieds. C'est ce que ma mère disait tout le temps. Votre mère? Est-ce qu'elle vous a élevée seule toute sa vie? Disons que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Lily, je m'en veux pour l'échographie, mais vous savez, je le pensais vraiment. Alors, si ça vous va... Je peux voir avec le docteur Foringer. Il suffit de lui demander. C'est vraiment quelqu'un de très gentil. Et vous savez, ça fait longtemps que je le connais. Je pense qu'il acceptera. Ça doit être Simon. C'est bien, il vient vous chercher? Non. Il s'envole demain pour Seattle. Il vient m'apporter un jeu de clés pour sa voiture. Lily, s'il te plaît. Dépêche-toi, elle est sur le toit. Je t'en prie, Lily, arrête, ne me pousse pas. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Joyeux anniversaire. Oh, merci. Mais comment vous avez su que c'était mon anniversaire? Je ne peux pas vous proposer de partager le gâteau, mais si ça vous dit, un peu de poisson. Eh bien, je... Vous partez en voyage? Moi? Ouais. Ah non, non, non. C'est sa valise pour la maternité. Ah, oui, je comprends. Bien sûr, on ne la fait jamais assez longtemps à l'avance. Oui, tenez, c'est pour vous. Oh, merci. Un écoute-bébé électronique. Ah, avec thermomètre intégré. Oh, c'est une excellente idée. Alors, l'allergique aux fréquences est heureuse. Merci, merci beaucoup. De rien. Papa? C'est vous, Herman? J'ai préparé du lapin qui ne ressemble pas à du lapin.
Mais pas le droit d'entrer en cuisine, ma fille. Mon père, Herman. Et lui, c'est Simon. Enchanté. Moi aussi. Ne restez pas là. Entrez et enlevez vos chaussures, juste ici. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'entends rien. Ouais, c'est vraiment bizarre. Pourtant, là, ça devrait fonctionner. Ouais. C'est vrai que vous savez faire fonctionner des avions. Oui. Oui. Lily ? Oui, je suis là. Ah. Oh. On vous entend 5 sur 5, Lily. Ça fonctionne que dans un sens. Lily, on vous entend très bien. Ouais, je suis contente pour vous, mais quelqu'un pourrait me dire à quoi servent ces petits anneaux exactement ? Elle parle peut-être des rondes serviettes. Oui, j'imagine. Est-ce que vous parlez des rondes serviettes? Ah ah, des rondes serviettes, je vois. Merci pour l'info, mais on dirait des sextoys d'après moi. Madame Funk. Oui. Ok. Est-ce qu'elle a déjà parlé de sa famille avec vous? Lily? Pourtant, vous avez habité en colocation. Oui, mais elle n'est pas restée pendant très longtemps, juste quelques jours. Les colocataires la trouvaient un peu trop pétillante. Je trouve ça bien que vous gardiez un œil sur Lily. C'est triste que vous partiez aussi longtemps. Ouais. Vraiment triste. C'est prêt, à table. Bien, on y va. C'est dégoûtant. Ça sent bon quand même. C'est du lapin cuisiné dans du pain. Ah ouais? Il est fourré avec des œufs, c'est un repas classique. Francisca adore ça. Et ça fait longtemps que je ne lui en ai pas fait. Chez nous, c'était des soupes toutes prêtes. Herman, vous avez un tatouage? J'aurais jamais dû. Faut pas en faire. Celui-là aussi, c'est une bêtise. Je n'aurai pas le temps de faire la fête ou du surf. Pendant les 3 mois d'études offerts par la bourse, je ne verrai que des hangars de montage d'avions. Bravo, Simon. Ouais. Et après, vous allez vous marier? Simon n'est pas le père de son enfant. Oh non. Herman. Non, je n'ai rien contre toi, Simon, mais... C'est gentil. Herman, celui qui me mettra le grappin dessus... devra d'abord savoir ce que c'est que ça. Je sais. C'est une jeune sirène. C'est un équami. Un équami? Ouais, c'est le nom du dessinateur qui l'a inventé. Un génie de l'underground, on n'est que quelques-uns à le connaître. Le Daniel aussi? David? David, non. Non, c'était une erreur, lui. Vous avez invité une autre personne à déjeuner? Oh, non, peut-être que c'est encore la police. Je vais voir. Restez assise. Bonjour. Bonjour à tous. Andreas. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je vais essayer de trouver un vase. Et moi, je vais voir s'il y a un dessert. Voici Lily. Bien, et moi... je vais nous chercher de l'eau. Et Simon. Tu pars en voyage? Non, pourquoi? Parce qu'il y a une valise dehors. La rouge. Ça, non, c'est juste des vieux vêtements. Ah. Délice. Lily, Lily. C'est ce qu'on met sur les cercueils. Chut.
veux pas t'asseoir? Tu as l'air en forme. Merci beaucoup. Je voulais... Je t'en prie. Non, après toi. J'ai l'impression que cette séparation nous fait du bien. Et... je voulais te demander si tu voulais bien transférer mon courrier à cette adresse. Bien sûr. J'aimerais bien prendre quelques vêtements, si tu es d'accord. Bien sûr. Monte si tu veux. Il faut pas te faire de soucis pour l'argent. La maison est pratiquement payée. Je ne me fais pas de soucis, Andreas. Vas-y. Et au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, c'est sans importance. Je lui mettrai bien son courrier dans la chasse d'eau. Pour qui il se prend? Ce gars est un con. J'aimerais bien ne plus en parler à partir de maintenant. Ben quoi? Allez. Je rentre chez moi. Au revoir, Herman. Mais attendez! La fête est déjà finie? Super comme manif. Ouais. Ça vous dit un petit billard tous les trois? J'y arrive pas, vous voyez bien. Faites comme si vous aviez un ennemi très dangereux en face de vous. Ce n'est qu'un jeu, faut vous amuser. Oui. Avec votre sens de la précision et votre dextérité, je suis certain que vous apprendrez vite. Alors d'abord, vous devez ouvrir les doigts, écarter un peu le pouce, comme ça, et faire glisser la queue le long du doigt. Je vous l'avais dit, c'est pas la peine d'assister. Non. Je vais plutôt avec Lily. Non, moi, vous êtes très bien sorti, alors ne dites pas ça. Allez, venez, réessayez une fois. Et faites attention à guider la queue comme il faut. Vous visez la boule... de cette façon. Salut Simon. Tu aimes toujours bricoler sur tes antiquités? Wow! Vous êtes doués! Allez, recommencez! Salut Eddie. Comment va ta mère? Allez-y, tu vis toujours chez elle, je crois. Savoir pourquoi vous lui avez rien dit tout à l'heure, pour le bébé. Il finira bien par le savoir. Comment il le saura? Par télépathie? Non, je suis sûre qu'un jour il comprendra ce qui lui manque depuis notre séparation. J'espère que c'est une plaisanterie. La seule chose qui pourrait lui manquer, ce serait ses chaussettes. Je sais ce que je fais! Je ne veux pas qu'il revienne à la maison uniquement pour cet enfant. Il est là, le problème. Le problème, c'est que vous avez envie qu'il revienne à la maison. Ce con. Oh. Je voulais vous dire, madame... Oupchat. Très bien. Je vois que vos objets sont des assemblages. Des assemblages, quoi? Je vais vous dire une chose. Toutes vos théories sur l'art, c'est juste de la merde. Vous trouvez? Oui. Je n'ai pas besoin de vos beaux discours et encore moins des idées débiles d'un vieux professeur barbu. Oui. J'ai assez de créativité, je vous le garantis. C'est justement ce qui est intéressant avec l'art, c'est qu'on n'a pas besoin de l'expliquer. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Ici, à l'Académie, nous estimons que ce qui est intéressant,
c'est que même les gens qui ont un talent et de la reconnaissance n'hésitent pas à améliorer ou reconsidérer leur travail. Vous pourriez nous écrire ce qui vous motive, en 2 ou 3 pages, par exemple. Prenez le temps. Réfléchissez tranquillement à tout ça, et puis revenez nous voir. C'est à vous, je crois. Oh, naze ! Pourquoi elle me saute dessus ? Au revoir. Au revoir. Lily ! Ça ne sert à rien de vous énerver comme ça, Lily. Je fais ce que je veux. Et puis j'ai pas le permis de toute façon. Quoi? Mais attendez. Mais où est-ce que vous allez? L'académie de merde n'est pas pour moi. S'ils veulent pas que j'y entre, il ferait mieux de le dire carrément. Est-ce que vous saviez que Robert Rauschenberg était dyslexique? Je veux pas être une ratée. Vous ne l'êtes pas, Lily. C'est que les mots et moi... Ça fait 2, vous comprenez? Pour lire, ça va. Je déteste quand les gens me font passer pour une idiote ou une bonne à rien. Je viens d'une autre planète, vous savez. Ouais. Chez nous, l'art n'existe pas. Et on mange pas de lapin. Quand j'étais enfant, ma mère adorait me raconter des histoires sur sa vie complètement détruite par le salaud qu'il avait planté un matin avec le nez cassé et rien chez elle, et puis avec un bébé hurleur qu'elle n'avait pas voulu. J'ai rien, je n'ai que mon talent. Je le sais, Lily, et ceux de l'académie le savent eux aussi. Ils veulent seulement vous apprendre à vous contrôler et à ne pas être aussi grande gueule. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Moi aussi, j'étais butée avant. Faites-leur un beau papier, parlez un peu d'histoire de l'art. Et si vous voulez, je pourrais vous aider à écrire le document pour l'académie. C'est vrai. Il faut que je vous montre quelque chose. Ça fait un moment que je l'ai dans mon sac. Qu'est-ce que c'est? Elle vient du centre pour les jeunes mamans. Ah bon? Ils disent qu'il y aurait une place pour moi. Nous serons très heureux de...
de vous accueillir prochainement. Oh là là, j'espère que j'ai pas fait une bêtise. Là, ma fille. Toi, pourquoi tu es là? Je prépare une bonne pièce de viande pour notre petite crevette. Mm. Elle fait de l'anémie. Pas comme moi, hein? Qu'est-ce que tu fais? Bah, quoi? Tu vois bien ce que je fais? Arrête de faire des histoires. Ça va gicler sans couvert. Je vois bien, mais il faut pas mettre de couvert. C'est pas grave, et sinon... La viande a besoin d'air, je t'en supplie. Arrête un peu, je ne cuisine pas du chou. Francisca, arrête, bon sang, c'est du gâchis. Herman! Au revoir. Ça va? Toujours qu'il parte fâché. Qu'est-ce que tu lui as encore dit pour le vexer? Comment ça, qu'est-ce que j'ai encore dit? Tu devrais être contente qu'il vienne te voir. Je peux te garantir qu'il ne vient pas pour moi. Oh, je nous ai rapporté quelque chose. Regarde, des moustiquaires géniales. Pour le lit des enfants et pour les poussettes. Elles sont très légères. Et elles ont des mailles super serrées. Pourquoi faire, Francisca? Tu sais bien qu'on n'a jamais de moustiques ici. Parce que tu peux être inconsciente parfois. Les moustiques sont partout, enfin, tu les vois pas, mais ils sont là et ils piquent. Lily! Tu ne dois pas boire de boisson glacée. Ah oui, au fait, pour le document. Il avance. Je vais bientôt avoir fini de l'écrire. Il ne manque plus que quelques détails. Et je t'ai apporté autre chose. Mm-hmm. C'est un contrat à lire pour la bourse d'études. Oh, ils commencent à m'énerver avec leurs questions. On dirait qu'on est des criminels, quelquefois. Quoi? Décontraction? Oh mon Dieu! Quoi? Mais parle-moi! Lily! Oh merde! Il faut respirer. J'appelle un médecin, d'accord? J'appelle le médecin. Je vois rien. Elle m'a donné un coup de pied. Super fort. C'est vrai. Tu le sens? C'est son pied qu'on voit. Oui. Quelle heure il est? 16h40. Il faut qu'on s'en aille tout de suite. Pourquoi? On a un rendez-vous. Un rendez-vous? On doit visiter la salle à l'hôpital. La salle? La salle de travail. La salle de travail? Francisca, ça sert à rien d'aller là-bas. Non, c'est très utile, au contraire. Et tu me remercieras le jour où tu devras y aller pour l'accouchement. Non, Francisca, tu me fais mourir de peur avec tes angoisses. Je pense que tu devrais chiller. Ouais. Allez, chiller. Essaye de respirer. Ça veut dire se relaxer en anglais. Allô? Bonjour, c'est Simon. Oh, Simon! Ça alors, c'est une surprise. Ça va, ce voyage à Cincinnati? Oui, très bien, mais c'était à Seattle. Seattle, c'est vrai, Seattle. J'espère que vous n'appelez pas en PCV. Si vous voulez parler à Lily, elle devrait arriver d'une seconde à l'autre. Non, non, c'est vous que je voulais. Ah, Alors, à quoi vous ressemblez maintenant? À quoi je ressemble? Eh bien... Je vais être la plus objective possible. Je vais me tirer une balle dans la tête. Je vois. Vous ne porteriez pas un manteau couleur pétrole, par hasard? Oui,
C'est vrai, j'ai mis un manteau couleur pétrole, mais comment vous le savez? Alors, vous êtes revenu depuis hier soir? Ouais, exactement. J'ai un peu de mal à me remettre du décalage horaire. Qu'est-ce que c'est? De la crème de guimauve. Vous faites griller un toast, d'un côté celle-là et de l'autre le beurre de cacahuète. Vous fermez. Un mélange? Et ça donne le plus sublime des sandwichs guimauve-cacahuète. Un sandwich qui couvre probablement nos besoins en calories pour l'équivalent d'un mois, c'est ça? Vous pouvez vous le permettre sans souci. Ça vous va très bien, en fait. Quoi donc? Le ventre. Ah, oh, merci. Vous pouvez arrêter la voiture? Quoi, ça va pas? Simon, je ne peux rien commencer avec vous. Enfin, essayez de comprendre, je ne peux pas... Je ne vais rien commencer avec vous. D'accord, je comprends. Je suis content que vous me disiez ça. Oui? Oui, j'ai eu peur que vous me vomissiez dessus. Super, en plus c'est embarrassant. Bon. En plus, vous vous moquez de moi. À quelle heure vous aviez dit que vous deviez visiter la maternité exactement? À 5 heures, sauf que... Oh merde! Eh oui. Oui. Ça va, j'ai compris. Et vous êtes sûr que le service des soins intensifs pour enfants est juste à côté, c'est ça? C'est ça. Oh, c'est chou. Vous administrez des antidouleurs régulièrement pendant l'accouchement, j'espère? Bien sûr. Bien sûr. Comme ça, pas besoin de demander. Et pour l'acupuncture, la réflexologie plantaire, l'homéopathie, je suppose que vous avez du personnel qualifié pour ces pratiques? Nous avons un infirmier en chef végétarien, si ça vous intéresse. Excellent. Vous avez mis au monde beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Mais vous avez de l'expérience. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, absolument. Vous êtes rassurée? Oh, Andreas. Francisca. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai changé de clinique. Ah bon? C'est vrai? Tu as très bien vécu notre séparation, apparemment. Oui, autant que toi, je crois, non? Toutes mes félicitations. Ça te va très bien? Le ventre? Ah. Je vous raccompagne chez vous. Oui. Salut! J'ai lu le document que t'as écrit. Ouais, je sais que tu t'es investi à fond dedans, mais... j'ai l'impression... que ça va pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Francisca? Au moins, c'est fait. Andreas est au courant maintenant. Enfin, il ne sait rien du tout parce que j'ai joué la comédie. Et du coup, ce qu'il croit est faux, en fait. De toute façon, tu t'en fiches complètement de ce qu'il croit. Je vois pas ce qui te lie encore à cet homme. 15 ans de mariage, Lily. Ouais, mais rien d'autre à part ce vieux bouquin pourri. Ce vieux bouquin pourri représente 15 ans de ma vie. Ça s'oublie pas comme ça, tu sais. Quand c'est terminé, c'est terminé.
Francisca! Je devrais pas le dire, mais il est 8h20. Je l'ai pas entendu sonner. Difficile de dormir avec la chasse d'eau qui coule toute la nuit. Désolée, mais je suis enceinte. Dis donc, c'est pas toi qui as fait dans le pot 5 fois par hasard? Tu penses à ce soir, je parie. Je n'ai que ça en tête. Qu'est-ce que t'en penses? T'es sûre de vouloir y aller tout de suite? Oui, ça c'est bien. Simon? Qu'est-ce que vous faites là? Elle vous a rien dit? Non, quoi? C'est bien son genre. Lily? Ouais, ouais. Elle a eu un grand coup d'inspiration et elle veut peindre toute la nuit dans son atelier. Je jouerai le rôle du remplaçant, mais je suis sûr que je serai à la hauteur. Je suis vraiment désolée pour l'autre fois. Je n'aurais jamais dû vous faire passer pour le père de mon enfant. C'était très méchant de ma part. Vous arriverez à me pardonner? Ouais, ouais. Tant que vous ne me demandez pas de pension alimentaire. Alors, on y va? On va faire quoi, là? Étirez lentement la cuisse. Étirez la jambe. Et la cuisse, tout doucement, étirez-la. Oui, jusqu'au pied. Voilà. Relâchez bien tous vos muscles. Voilà, très bien. Vous avez une jambe de bois? Voilà. Je suis désolée, parce que je suis trop tendue, je sais. Vous voulez que j'arrête ou qu'on s'en aille? Non, non, vous savez, je ne peux pas me relever de toute façon. Je peux vous faire rouler? Bonne idée. Si je ne trouve rien en tant qu'ingénieur, grâce à ce cours, je pourrai toujours me convertir en ingénieur S-massage et relaxation dans tous les aéroports du monde. C'est vrai. Oh, excusez-moi, désolée. Je suis tellement chatouilleuse sous les pieds. Je vois ça. Bien, et maintenant, on prend une belle inspiration. Les messieurs se mettent derrière leurs femmes. Voilà, prenez tendrement vos épouses dans les bras. Et posez les mains sur le ventre. Les deux mains sur le ventre. Maintenant, inspirez. Et expirez. Voilà, très bien. Inspirez. Et expirez. Italien ou espagnol? Oh, merci. Merci beaucoup pour ce cours. Avec plaisir. Comme je vous l'ai dit, ma voiture est là-bas. Je peux vous accompagner chez vous. Non, je vais marcher. Vous êtes sûr? Ça ne me dérange pas de vous ramener chez ça vous. Ça me fera du bien de prendre un peu d'air frais. Ouais. Oui. Ok. Donc vous ne voulez pas que je vous raccompagne? Non. Je crois que je vous ai causé assez de problèmes comme ça. Ça suffit. Non. Enfin, je veux dire, je vous remercie pour tout ce que vous venez de faire et surtout là-bas. Je vous l'ai dit, ça m'a fait très plaisir. Moi aussi. Bon, eh bien... Bon, eh bien... Bonne nuit. Bonne nuit. Pardon, désolé. Vous êtes certaine? Désolée d'insister. Vous êtes sûre que vous ne voulez pas que je vous raccompagne? Je suis certaine, absolument. Ok, alors je... Oui. Bonne nuit. Bonne nuit.
Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'il fallait. Tu fais enfin ce que tu veux. J'en sais rien. C'est déjà assez compliqué dans ma vie. J'ai pas besoin d'une autre complication. Où tu vas comme ça? Moi? Au travail? Il est même pas 7h du matin. Ça fait rien. J'ai pas envie de dormir. Francisca. Bonne nuit. Faites vos rêves. Je peux? Ouais. Simon, j'ai 46 ans. Je suis mariée et je suis enceinte. Je sais. Comment tu vois les choses entre nous? Tu es tellement jeune. Et puis tu as ta carrière à développer à Toulouse. Les portes sont grandes ouvertes devant toi. Tu dois d'abord penser à ton travail. Je veux dire, je ne sais pas quoi dire. Je suis ici à Hambourg avec un enfant et toi. Et puis j'ai un travail au cabinet. Comment on ferait? Oui, mais Toulouse et Hambourg, ce n'est pas si loin. Je serai de retour dans à peine un an. La distance est une illusion. Tu sais ce que c'est que de vivre l'un près de l'autre tout en étant des étrangers. Et que vont dire les gens dehors? Ils verront un jeune homme avec une vieille peau. Ils me regarderont avec dédain quand ils nous croiseront et ils applaudiront le jour où tout sera terminé. Mais arrête, on se fiche totalement de ce que les gens vont dire. Je sais que je suis heureux quand je suis près de toi. Je suis heureux ici, même assis sur ce banc. Même avec ce regard triste. Je veux qu'on oublie ce qui est arrivé pour l'instant. Et qu'on se voit de temps en temps, si tu veux, mais en tant qu'amis. Ce que tu veux, c'est t'empêcher de vivre. Tu te caches derrière ta peur de la vie. Voilà ce que tu fais. Tu en as même oublié ton déjeuner. Mais quelques réparations et ce berceau sera comme neuf. Il y a de la place pour deux, j'espère. Oh, oui. Herman? Oui? Tu veux du Earl Grey? Mais je croyais que tu détestais ce thé. Alors tu en as? De l'anglais, avec du lait et 4 morceaux de sucre. Oui, merci. Oui, merci! Toi aussi, Lily? Ouais! Tu viens? Oui? Oh, la barbe! Oh, je voulais faire des gardes pour dépanner les collègues, et puis voilà. Encore ton articulation sacroiliaque. Ah. Lève un peu la jambe gauche, s'il te plaît. Inspire. Ouais, attention, attends. Oui. Inspire. Et expire. Oh! Oh! Oh, merci. Francisca, si seulement je t'avais. Tu as changé. Oui, c'est difficile à cacher. Tu t'es trouvé un jeune pur sang. Ça se respecte. Attends. Et toi alors? Toi aussi, tu as trouvé très vite quelqu'un d'autre? Je t'ai vu. C'est fini.
Ah oui? En tout cas, moi, j'ai été déçu. Elle, je sais pas si elle a compris. Elle était assistante. Tu vois, j'ai l'impression d'être devenu vieux et complètement dépassé. Oui, je connais cette sensation. Et ça fait un bon moment que je la connais. Je ne veux pas perdre mon temps. Je vais courir après le genou de 25 ans. Francisca. Oui. Je suis désolé, je sais que c'est ma faute. Quoi donc ? Que ça n'ait pas fonctionné pour les enfants. Entre nous. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ? C'est ton enfant, Andreas. Enfin, c'est notre enfant. Il est de toi. Mon ventre et ma valise, ça devient vraiment plus possible. Dis donc, est-ce que tu aurais une minute? J'allais te poser la même question. Pour mon papier. Ta-da-da-da-da! Mon papier! Il est fini? Garanti avec plein de fautes d'orthographe. Je veux le voir. Donne-moi la colle. Je colle ça. Alors, attends, je prends la fin de ce bout-là. Et je colle. Non, c'est pas la fin. On avait dit que c'était l'introduction, pas la fin. Le sujet de ton texte. Le début, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui, le début. Il le faut. Je l'ai trouvé. Oui, ce que tu as écrit au début, c'est... Sinon, c'est génial, Lily. Je t'assure, c'est bien. Il faut toucher à rien. Et toutes les fautes d'orthographe? Oh, rien n'a pas tant que ça. On se commande une pizza ce soir. On s'en fiche des calories aujourd'hui. D'accord. Mais j'ai quelque chose à te dire. Vas-y, crache le morceau. J'ai encore mis le papier toilette à l'envers. Andreas va venir ce soir. Après son service de nuit, bien sûr. Ah. Chez nous. Il vient pour le repas. Et ensuite, il reviendra... tout le temps. Tu vas comme ça? T'inquiète pas. Le centre pour les jeunes mamans vient de m'écrire. Il leur reste des places libres. Lily, tu n'es pas obligée de partir. Reste, s'il te plaît. Ça va aller. Lily! Qu'est-ce que vous faites? Vous déménagez ou quoi? Donne-moi ça. Merci, Herman. Allez, les filles. Le bus ne vous attendra pas. Salut. Ton canard? C'est un dragon. Tu me donneras des nouvelles, promis? Bingo. Thank you.
Bonsoir, Madame Funk. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Tu as bu ce soir? Ouais, mais j'ai pas payé une tournée à tout le monde. Oh, tu ne bois jamais? Et j'ai jamais été père. Et t'en fais pas, j'ai pris un taxi pour rentrer. Je suis passé au centre commercial. J'ai toujours rêvé d'avoir un ours comme celui-ci quand j'étais enfant, je te l'avais dit. Non. Je l'ai jamais eu. Tu es venu avec des affaires? Je les apporterai petit à petit. Il doit bien m'en rester un peu ici. Non? Si. Il en reste, bien sûr. C'est bizarre, tout a l'air si différent, tu trouves pas? Ouais. Tellement différent. Bonjour. Bonjour. Je voudrais ton avis avant d'acheter la poubelle pour les couches. 14 litres? Oh, ça doit être rempli tout de suite. Ou alors... C'est pas très joli, ça. Ah oui, mais elle est garantie et elle a la plus haute protection. Hé, hey, je te signale que la vie de notre enfant est beaucoup plus importante que l'aspect esthétique. Mais elle on va prendre les 10 minutes, là. Ça va mieux. Ah, et pour la baignoire pour bébé... J'ai pas peur de courir partout, la petite Henriette. Henriette? Amélie. Amélie. Ou Henriette. Ou bien Amélie. De toute façon, elle est pas encore là. Et on a encore le temps. Ah. Ouais. Instruction, montage... C'est trop difficile? Tina, je dis seulement que je veux encore réfléchir au congé parental. Mais moi, je comptais sur toi, Francisca. Je n'ai pas pris de remplacement à temps plein parce que tu disais que tu ne voulais pas rester chez toi. Oui, je sais, je suis vraiment désolée, mais la situation a changé, tout est devenu... C'est... Je vais te dire ce qui t'arrive. Tu ne sais absolument pas ce que tu veux. Voilà. Ça te dit une partie de billard tous les deux? Si on allait faire une partie de billard ce soir? Du billard? Tu as toujours dit que c'était pour les prolétaires. Oui, c'est vrai. Mais on y va si tu veux. Je me disais juste... J'ai un peu mal partout ce soir. Oui, d'accord. Et je dois me lever tôt pour le congrès des médecins, mais tu peux venir avec moi. Tu veux venir avec moi? Oui, je veux absolument venir. Chère Lily, comment vas-tu? Bien tendrement, Francisca. Tu
avais raison, Andreas. À quel propos? Nous savons très bien, toi et moi, que nous deux, c'est terminé. Et ton congrès? Il attendra. C'est dingue. Avant, il nous manquait un enfant. On va avoir l'enfant, et maintenant, il nous manque l'amour. Ouais. On devrait peut-être essayer l'amitié. Bonjour, ici le centre d'accueil des jeunes mamans. Oui, bonjour, madame Funk à l'appareil. Je voudrais parler à Lily Urpschat, s'il vous plaît. Qui? Lily Urpschat. Nous n'avons pas de Lily ici, désolée. Ah, merci. Au revoir. Tu vois. Je vais te faire du thé, ma fille. Bonjour! Bonjour! Ne me dis pas qu'elle vit chez toi. Ils te reconnaissent, tu vois? Temporairement. C'était pas bon pour elle, le centre d'accueil. Et tu sais où elle est, là? En candidat libre? Le professeur me l'a proposé. Je pourrais même travailler pendant les vacances. Et apparemment, j'ai de fortes chances d'être admise. C'est génial. Ouais, c'est génial. Je suis vraiment très fière de toi. Et je dois avouer que je suis aussi très fière de moi. Andreas est de nouveau parti et je n'avais pas encore compris que toutes les deux, on est comme le feu et l'eau, mais tu es ma seule et unique amie. Et je voudrais que tu rentres à la maison et que tu y restes. Oh. Francisca! Oh non! Francisca! Francisca! Merde! Allez, au secours! Il y a quelqu'un! Ouvre les yeux! Francisca! Oh merde, Francisca! Francisca! Oh, au secours! Aidez-moi! Oh merde! Oh, oh, au secours! Quand tu étais petite, que ta mère était en vie, on se séparait jamais tous les deux. Excuse-moi, je crois que j'ai pas toujours été un très bon père. Mais j'essaierai d'être un bon grand-père pour ma petite fille. Oui, ça me ferait très plaisir. Lily.
Salut les filles. Bonjour. J'aurais besoin de vous parler. Vous voulez que vos invités attendent dehors? Non, non, ma famille reste avec moi. Nous avons reçu tous les résultats sanguins. Il n'y a pas d'équivoque, vos analyses indiquent que vous souffrez d'une insuffisance placentaire. Elle est morte? Non, non, mais il vaut mieux la sortir, Madame Funk. On prépare le bloc opératoire. Attendez un peu. Elle est toute petite. Il reste encore un mois et demi. Sur le plan organique et anatomique, elle est complètement développée et il ne devrait pas y avoir de soucis pour ses poumons. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle pourra respirer toute seule une fois sortie. J'y vais. Je veux que vous restiez avec moi, d'accord? Et vous vous occuperez d'Amélie tout à l'heure? Tout va bien se passer, ma fille. Pour elle et pour toi. Il faut que je marche, ça me fait du bien. Mais n'exagère pas quand même. Ouais. Et comment va la petite merveille? Elle va très bien. Herman s'en occupe. Ouh. Et toi? Je crois que je vais finir par exploser un jour. Oh, je pars nous chercher quelque chose à boire, d'accord? Vas-y. Et de quoi manger? Et toi? T'aurais pas dû Earl Grey? Je vais te dire ce que j'ai. De l'hibiscus, de l'églantier, du fenouil, du rooibos. Ou alors du rooibos à la menthe. C'est un drôle de mélange. Qu'est-ce que tu regardes? C'est un écouami, ça, non? J'y arrive. Je vais bien. Et le bébé? Le bébé ne peut pas encore marcher. Mais elle va très bien. J'arrive pas à y croire. C'est pas vrai. Quoi? Ne t'en vas pas. Je croyais que t'étais mourante ou un truc du genre. Je suis désolée. Je viens de rouler pendant 17 heures sans m'arrêter une seconde. Pourquoi ça? Lily m'a téléphoné, alors... Je suis monté dans la voiture et je suis venu. De Toulouse? Ouais, avec ma vieille voiture qui est là. Mais c'est stupide. Et j'ai même pas... Je veux dire, je dois repartir tout de suite, j'ai pas de jour de vacances. J'ai pas de vacances. Simon! Il manquait plus que ça. Génial. Simon. Oui? Ça va durer combien de temps encore, ton stage? Mon stage? Ouais. Un an? C'est ça. Et ensuite? Ben, ça dépend. Ça dépend de quoi, en fait? De ce qu'on me proposera. Oui, bien sûr. Oui. Et si on te propose... Une femme plus très jeune, avec une petite fille et une tendance à la névrose, tu en penses quoi? C'est intéressant. Réfléchis bien. Je le ferai.
qu'il y a. Tu devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Tu veux que je te dise, je peux tout deviner aujourd'hui.